Donc, ce qu'il y a à observer sur chaque arbre, c'est comment ça se passe sur le rameau de 1 an et comment ça se passe sur les rameaux courts. Donc ça, c'est un rameau de 1 an qui peut faire. Généralement, il fait des fleurs à la base sur le cerisier et puis après des bourgeons à bois. Et puis après, par opposition, on a les rameaux courts et les rameaux longs. C'est-à-dire qu'on va avoir les rameaux longs qui vont être sur l'acrotonie. Et puis après, à la base, on aura de moins en moins des rameaux qui vont être longs, donc ils vont être plus courts. Et ceux-là qui vont à peine démarrer vont très rapidement se transformer d'abord en fleurs et puis après sur le cerisier en ce que l'on appelle des bouquets de mai. Donc c'est des anciens rameaux. Ils auraient pu très bien fabriquer des bourgeons à bois à la base. Hein. Si on avait taillé très court, ils auraient pu fabriquer des bourgeons à bois. Généralement, c'est des bourgeons à fleurs qui se transforment l'année d'après en bouquets de mai. Donc là, on a la base des bourgeons de l'année d'avant. Le bouquet de mai, il est capable de refaire un autre bouquet de mai l'année d'après. Il n'est pas vraiment capable de faire du bois après. Peut-être que j'ai jamais essayé, mais j'imagine assez que si tu tailles juste après un bouquet de mai, il est capable de faire une pousse plus longue à bois. Mais généralement, je pense qu'il aura tendance à préférer faire sortir un bourgeon proventif que continuer à fonctionner sur son bouquet de mai. Donc sur le cerisier, on peut ne rien faire. Enfin, un cerisier, tu fais rien, il fructifie. Bon, c'est simplement grand et le souci, c'est d'aller ramasser des cerises, quoi. Mais tu peux ne rien faire. Et tu peux améliorer aussi la fructification. Un arbre, ça ne se taille pas, ok. Il n'y a pas besoin. Pour que ça fructifie, il n'y a pas besoin. Mais tu peux, pour augmenter la fructification et favoriser et faciliter la récolte, tu peux travailler sur le cerisier. Et c'est assez facile et on dit souvent qu'on peut le faire au moment de la taille. Donc on peut le faire au moment de la taille parce que justement, au moment de la taille, au moment de la... Qu'est-ce que je dis? Au moment de la récolte. Désolé, je mélange un peu tout. Au moment de la récolte, et si on le fait au moment de la récolte, c'est un moment où les pousses ne sont pas encore totalement faites, et donc tout ce qu'on va faire au moment de la récolte, l'arbre va réagir après et permettre la fabrication de nouveaux bois qui vont fabriquer aussi des cerises l'année d'après. Donc c'est quand même avantageux pour ça sur le cerisier. L'idée, ça va être simplement d'éclaircir et de renouveler pour avoir un maximum de bouquets de mai dynamiques. Sur le cerisier. Il fait des plus grosses cerises et des plus belles grappes de cerises sur les bouquets de mai que sur les fleurs de rameaux de 1 an. D'accord ? Voilà. Donc on peut se dire par exemple que t'enlèves non seulement des bouquets de mai pour pas avoir trop de fructification, et puis tous les ans t'enlèves des bois qui ont 3 ans ou 4 ans. D'accord ? Et ça, tu fais ça tous les ans. Donc quand je dis 3 ans ou 4 ans, c'est-à-dire qu'ils ont 3 ans, 2 ans, 1 an, tu vois, il y a quand même tout dessus. Hein. Mais en renouvelant ça, en enlevant, tu fais des appels de lumière qui vont faire des nouvelles pousses qui vont relancer des spots de fructification. Et comme tu le fais globalement que sur des pousses qui ont 3 ans, celles que tu avais fait il y a 2 ans, ben elles n'ont encore que 2 ans, donc tu les laisses. Et elles auront 3 ans l'année prochaine, tu les enlèveras, c'est celles d'un an qui auront 2 ans. Et donc tu crées un roulement qui fait que tu limites l'expansion de l'arbre, en fait, t'es tout le temps en train de le maintenir. Bon, ça c'est pour le maintenir dans un volume restreint. Et comme on le fait tous les 3 ans, l'idée c'est d'enlever tout le temps les bois de 3 ans parce qu'on n'a pas trop migration des réserves dans la base des branches, donc on arrive à faire une taille qui n'est pas trop mutilante. Et 3 ans, c'est encore pas tout à fait une unité architecturale, donc elle est encore dépendante d'axes plus importants. Donc bon, on arrive à faire un truc à peu près correct. Donc chez les pêchers, on va avoir en fait tous les rameaux sont les mêmes, hein. C'est-à-dire que ce rameau très court là qu'on appelle bouquet de mai, ce rameau là qu'on appelle court aussi, qu'on appelle chiffon, et ce rameau mixte fonctionnent tous de la même manière. C'est juste leur longueur et leur position qui font qu'ils se comportent différemment parce qu'ils ne reçoivent pas tout à fait le même signal et la même énergie. Sur le pêcher, on pourrait distinguer deux types d'arbres avec des variétés précoces, donc qui ont tendance à fructifier pour juin, et des variétés tardives qui fructifient après août.
Et souvent, on taille un peu différemment ces plantes-là. C'est-à-dire que les variétés précoces de juin font beaucoup moins de rameaux courts comme des chiffons ou des bouquets de mai. Et donc, on peut tailler presque comme on taillerait une vigne. On peut se permettre tous les ans de réduire les pousses de 1 an, de sélectionner le nombre de pousses de 1 an pour limiter la fructification, réduire les pousses de 1 an pour éviter que l'arbre s'étale trop. Vous voyez, à chaque fois, on réduit la longueur, on réduit la longueur, on réduit la longueur, on réduit la longueur pour essayer de concentrer. Parce que alors, le pêcher, là où il est mauvais, c'est sur ses bourgeons proventifs. Il fait des bourgeons proventifs, mais il a du mal quand même à les utiliser. Puis, quand même, mécaniquement, il fait à peu près tout le temps ses fleurs sur la base des pousses. Alors du coup, il n'a pas trop de bourgeons proventifs à la base, il n'en fait pas beaucoup. Et donc, il y a peu de capacité de réaction. Vous voyez, généralement, il se vide de l'intérieur. Et on se retrouve avec toutes les fructifications au bout, avec en plus le poids des pêches. Donc, bon, ça pourrait. Si on ne fait rien, ça a tendance à faire ça. Mais en même temps, il a une grosse capacité à se ressemer et à refaire. C'est pour ça, en fait, hein, sa stratégie. Ouais, c'est ça. Ouais. Il toucherait le sol, ouais. Ouais. Donc, sur les variétés précoces, on peut s'amuser à faire des tailles très courtes, comme on le ferait sur de la vigne. Alors que sur des variétés tardives, on aurait plus tendance simplement à éclaircir et aussi à limiter un peu l'allongement. C'est-à-dire que dès qu'on peut conserver une pousse qui est proche sur la branche, il faut la favoriser pour essayer justement de limiter cet effet d'étalement. Là, sur la variété tardive, en imaginant la première branche donc proche de la fourche, elle va grossir, on pourrait imaginer même supprimer la branche par en dessous une fois que celle-ci aurait pris le dessus. Bah celle-là en fait, c'était celle-là il y a quelques années, donc elle a commencé à basculer sous l'effet des fruits, donc il y a une espèce de renouvellement justement par basculement un peu là. Oui, parce que là on induit par la taille quand même. Il y a une taille sur cette branche. Justement. Donc vous voyez, on va quand même généralement préférer enlever toutes les branches hypotones, vous vous rappelez, hypotones, donc c'est les branches du dessous par rapport aux branches épitones, qui est des épis, c'est des verticales. Donc les branches verticales, ce sont les branches d'avenir. Donc on va enlever celles qui sont plutôt descendantes. Vous voyez, je garde toujours celle du dessus, celle du dessus, celle du dessus. Bon, là celle-là, je la garde pas parce que en fait, je veux favoriser celle-ci. Ouais. C'était un peu le piège là, sur cette image-là. Je vais garder celle-là, puis celle-là, parce que celle-là va me fabriquer des fruits. Je sais qu'elle va basculer l'année prochaine et me permettre de renouveler en laissant celle-là dynamique. Un prunier, je dirais, ça se taille quasiment pas, quoi. C'est, il y a une éclaircie, veillée à ce que toutes les branches reçoivent de la lumière, quoi. Suffisamment de lumière pour faire mûrir les fruits. Et puis, faites attention de ne pas avoir d'excès de charge de fruits. Parce que alors là, le prunier, il est champion pour ça, quoi. Il est capable de faire des quintaux et des quintaux. Et donc, faut rester soft. Donc, une des seules choses que vous aurez à faire, c'est peut-être sélectionner le nombre de bouquets de mai. C'est-à-dire, ne pas laisser trop de spots de fructification sur les branches. Essayer de diminuer, de faire en sorte qu'il y ait un ratio branche à feuilles et à bois plus favorable à la maturité des fruits. Encore une fois, ce n'est pas les fruits qui sont au soleil qui font qu'ils mûrissent, c'est les feuilles qui font mûrir les fruits en fait. Et alors lui, pas de gobelet. Hein. Enfin moi, pour moi, vraiment mauvaise taille le gobelet sur le prunier. Quoi. Ouais. Il est nerveux, il fait des grandes pousses, alors surtout sur des porte-greffes un peu dynamiques, là, boum, on se retrouve avec un truc inextricable. En plus de ça, il n'aime pas la taille, il chope facilement des champignons, des chancres, des félins, des champignons comme ça qui se mettent sur l'écorce, là, champignons corticaux. Donc non, le prunier, il faut lui faire une belle charpente, bien diversifier la charpente, bien l'ouvrir, faire une belle charpente bien ouverte, et puis après il faut sortir l'échelle pour ramasser les prunes, quoi. C'est quand même la solution la plus simple, hein. Parce que je sais pas si vous voyez dans les vergers de pruneaux là, c'est le temps qui passe à enlever les réitérations, c'est fou, quoi. Alors que si tu le laisses faire, bah, au bout d'un moment il arrête son système de réitération, et ça peut être ramassé au sol la plupart, ouais, enfin, bon, ouais, pour le pruneau.